Le nouveau clip de Stromae en hommage aux travailleuses du sexe suscite l'émoi sur la toile. Il y a quelques jours, le troisième album de l'artiste belge Stromae est sorti. Baptisé Multitude et déjà vendu à plus de 50,000 exemplaires, ce nouvel opus vient d'obtenir la certification de disque d'or. Un retour en force que ses fans attendaient depuis près de 9 ans. Après son interview avec Anne-Claire Coudray, dans laquelle l'artiste a dévoilé son titre L'Enfer, Stromae a fait sensation avec sa nouvelle vidéo. Intitulé Fils de joie, le clip montre les funérailles nationales d'une prostituée dans un pays imaginaire, où Stromae est présenté comme le fils de la défunte. Un titre aux paroles fortes, tourné au parc du cinquantenaire à Bruxelles, qui a nécessité des mois de préparation et plus d'une centaine de danseurs et de figurants. Avec ce titre, Stromae prend position et arrive une fois de plus là où on ne l'attend pas. Il a déclaré à ce sujet, « Le souhait était de parler d'un sujet que tout le monde connaît, mais dont personne ne veut vraiment parler. » L'idée du titre lui serait venue après avoir vu l'émission « Ça commence aujourd'hui », présentée par Faustine Bollard, qui traitait des travailleuses du sexe et de leurs enfants. Le clip a été mis en ligne le 7 mars et compte déjà plus d'1 million de vues.